Auparavant, autant vous présenter donc ce film, qui est le film de Sofia Coppola, vu à la fois par des spectateurs, car il connaît un succès assez considérable depuis le sujet qu'a réalisé Thomas Baudert. Et puis en même temps, il amène d'énormes commentaires sur le cinéma américain et l'histoire. Enfin, bref, n'avançons pas dans le débat, il y a dans un instant. Résumons la situation avec Thomas Baudert. Ciao Fanny, à bientôt. Au revoir. Cannes 2006. Nous sommes à la veille de la sortie sur les écrans français du film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. La critique cinéma vient de siffler le film, le public, lui, n'a pas encore donné son avis. Des couleurs pop, une musique rock, une Marie-Antoinette New Wave, voilà le parti pris de la réalisatrice Sofia Coppola. C'est juste mon interprétation personnelle du personnage. Ce qui m'intéressait, c'était sa jeunesse, cette adolescence à Versailles, à la veille de la Révolution. Elle m'est apparue comme quelqu'un doté d'une certaine créativité et qui essayait de trouver son chemin dans cette existence qu'elle n'avait pas choisie. This is ridiculous. This, madame, is Versailles. Il y a des tas de choses dans cette histoire qui concernent Sofia, tout comme moi. Comme quoi, par exemple? Ce sentiment d'isolement, ces gens qui s'inquiètent pour vous à tout bout de champ, et ce sentiment d'être aliénée en tant que femme en de nombreuses circonstances. Remember, you represent the future. And nothing is certain about your place there until the final physical act to crown the Franco-Austrian alliance is performed. Well, I thought when I read that her husband didn't. Lorsque j'ai lu que son mari avait mis plus de 7 années pour consommer leur mariage, j'ai compris pourquoi elle faisait la fête toute la nuit. C'est ce rejet qui l'a poussée à cette frénésie de balles, de costumes et de spectacles. C'est à cause de cela qu'elle est devenue une vraie fêtarde. Marie-Antoinette en reine du clubbing. L'anachronisme fait grincer certains historiens français du 18e, comme Evelyne Levert, auteur de plusieurs biographies sur l'épouse de Louis XVI. C'est un portrait, mais un portrait qui est le portrait d'une adolescente. Et Marie-Antoinette n'est pas restée une adolescente, même si elle s'est lancée dans une vie de plaisir effrénée. That's to Barry, the king's mistress. She wouldn't be allowed. She should not be sitting at this table. Pardon. La cour de France est caricaturée. On n'a jamais vu Madame du Barry rôter en public à une table où se trouvait toute la famille royale. Et puis, on nage au milieu des petits fours d'une grande pâtisserie française. C'est tout à fait charmant, mais on est perpétuellement dans les gâteaux. Et moi, je ne crois pas que la cour de France puisse être représentée comme une pâtisserie permanente. Vous voyez, ça, c'est un petit peu trop hollywoodien. À des années-lumière d'Hollywood, la Marie-Antoinette historique était aussi et surtout une femme de pouvoir. C'est elle qui règne sur Versailles. Elle s'est appropriée Versailles. Seulement, elle s'est appropriée Versailles à sa façon. Marie-Antoinette veut préserver sa vie privée. Et en cela, on peut dire qu'elle préfigure les princesses et les reines modernes. Il ne faut pas oublier qu'en ces temps d'absolutisme, la seule servitude des monarques était d'être en constante représentation. Je ne réalisais pas à quel point leur vie était un spectacle. Je ne réalisais pas que tout le monde pouvait les observer, les regarder déjeuner, se promener, se coucher même. On aurait dit de la télé-réalité. Pour nous, c'est quelque chose d'inconcevable d'imaginer se rendre au coucher du président ou du premier ministre. C'était vraiment étonnant. Ce rapport à l'intimité, voilà alors qui fait se rejoindre et l'histoire et la fiction. C'est, je crois, cette revendication à la vie privée, à une certaine indépendance, qui fait de Marie-Antoinette, si vous voulez, la première star.
Une star qui, le jour de sa sortie sur les écrans français, a fait un démarrage prometteur. Voilà, plus que prometteur, car le film. Alors, les livres. Bonsoir Annie, vous êtes historienne, vous êtes notre conscience. Marie-Antoinette, une reine brisée, c'est aux éditions Perrin, le voici, le voilà. Alix Giraudelin, sainte fut-il, qui raconte, après une sorte de coma bizarre chez Colette, la rencontre avec Dieu déguisé en Karl Lagerfeld, ou c'est peut-être le contraire d'ailleurs, et la vie évolue. Et puis Christine Angot, que vous connaissez, et Guy Carlier, qui nous ramène à la fameuse phrase de Rainer Maria Rilke, une enfance est un destin, puisqu'à travers ce livre, vous cherchez à retrouver vous-même. Finalement, à tenter d'écrire un vrai livre autour d'une histoire qui est une histoire compliquée, dont on va parler tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de la dévoiler. Alors, on va commencer avec vous, Annie. Au fond, nous, les Français, enfin tous les Durand, en 93, on a guillotiné qui avec Marie-Antoinette? Alors, les Duprat, sans doute, ont oui. été également coupables. À mon avis, Alix aurait été guillotiné très, très vite. Sans doute. Non, parce non que moi, c'est noblesse d'empire. Il y avait un Giraudelin qui n'a pas voté la mort du roi. D'accord. Alors... Bon, mais alors, on a guillotiné qui, cette femme dont tout le monde parle maintenant à cause de ce film, qui était-elle? Vous la définissez en plusieurs chapitres, mais oui. qui était-elle? Alors, mon hypothèse pour faire ce livre, c'est que l'on a guillotiné à la fois Marie-Antoinette, la reine que l'on voit sur les écrans, mais aussi un double, le double noir de la reine, c'est-à-dire la reine construite par la propagande, et par une propagande d'une violence, une violence incroyable. Effrénée, ouais. Telle que même dans nos époques où pourtant Dieu sait qu'on parle de ouais. médias trash et de TV ah, mais c'est trash, rien du tout à côté de... C'est rien du tout, exactement. Ouais. On l'a accusé de tout. De tout. Dépensière absolue. Ça n'aurait pas été encore trop grave. Ouais. Dépensière faisons la liste absolue, ensemble. Mais aussi alors débauchée. Ouais. Débauchée, lesbienne, bien sûr, adultère. Mère incestueuse à la fin, mais aussi traîtresse, puisque toujours autrichienne, toujours au service de l'Autriche. Et alors, les dépenses pour la mode, pour les balles, je crois que ce serait passé assez facilement. Oui, en revanche... Au Japon, en plus, c'est surtout ça qui a été alors, le problème. Compte, il était à Vienne, et à Istanbul, d'ailleurs, aussi, parce qu'on trouve, tout au long de la période monarchique, enfin, à partir des années 1780, et ça va continuer jusqu'au procès ouais. inclus, l'accusation, elle livre des convois d'or à son frère. Ouais. Mais ce qui est frappant dans le livre, c'est vrai pour Christine, pour Alix et pour Guy, c'est qu'on retrouve tous ces textes parlant d'elle dans cette période dont on sait maintenant qu'elle va aboutir à la Révolution, ce qu'on ne sait pas avant. Oui. Et donc on voit cette colère populaire contre elle, qui est archi-violente et qui va bouleverser l'histoire de France. Est-ce qu'elle s'en est rendue compte? Et ce qui frappe dans le film de Coppola que j'ai vu aujourd'hui, c'est inexistant. C'est-à-dire la colère de ceux que nous sommes ce soir, oui. elle est évacuée, à tort ou à raison. Ce n'est peut-être pas le sujet du film. Est-ce que ça vous a gêné, vous? Je crois que ce n'était pas du tout le sujet du film. Ouais. Ça ne m'a pas du tout gênée. Je dois dire que, de manière étonnante, parce que je partais avec quelques préventions, étant donné ce que la presse avait raconté du film, j'ai beaucoup aimé le film. Ouais. Alors, il est vrai que la populace, puisqu'on parle comme ça, on ne la voit qu'en octobre 89, sous des traits hideux. Bon. Et donc, ils n'ont plus de pain, donnez-leur des brioches. Oui, alors ça, je suis étonnée de voir que des grands historiens ne savent toujours pas et ne lisent pas les Annales historiques de la Révolution française, excellente revue, dans laquelle, en 2002, il y a eu un article de deux jeunes historiennes expliquant que c'est une histoire qui traîne depuis le XVIe siècle et qui s'est forgée en Allemagne. Donc, bon, ce ne sont pas ces mots. Pas du tout. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Ouais. Et les mots sur la guillotine que vous donnez, excusez-moi, parce qu'elle arrive à la guillotine, mais juste avant, elle dit au bourreau, pardonnez-moi, je vous ai donné un petit coup sur le... Oui, non, ça, c'est pas ces mots non plus. Ça, c'est la légende rose, c'est ce qui a été reconstitué par les... On dit qu'elle aurait marché, c'est vrai, sérieusement, sur le pied du bourreau et qu'elle se serait excusée. Bon, ça aurait été effectivement un très beau mot, mais c'est vraisemblablement inventé. Elle ne dessert pas, elle ne dessert pas les dents pendant tout le trajet. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on voit que cette jeune femme, donc elle est née en 1755, elle est guillotinée en 93, elle arrive, elle a à peine 14 ans, elle ne comprend pas. Alors là, on est vraiment dans la jeune fille prise dans l'étiquette de la cour, et puis petit à petit, elle commence à assumer un rôle politique qu'on a... dont on ne parle plus. D'ailleurs, vous-même dites que les grands historiens du 19e siècle et du 18e siècle ont totalement oublié ce qu'elle avait voulu faire. Vrai ou faux?
C'est plus compliqué, comme toujours. Oui. Disons que les historiens du 19e siècle ont souvent oublié Marie-Antoinette, sauf les Goncourt, qui la détestent. Mais les autres, et surtout les républicains, pour eux, c'est la mauvaise reine, point barre. Et on s'arrête là. Ouais. Parce que si la reine était bonne, pourquoi la Révolution? Et puis, la République doit créer Marianne, construire Marianne. Donc, au 20e siècle, c'est peut-être parce que Marianne a quelques vapeurs que maintenant, on nous raconte beaucoup Marie-Antoinette. Non, je voudrais juste revenir. Qu'est-ce qu'on sait d'elle? On sait énormément de choses d'elle, parce qu'elle écrit beaucoup. Alors, moi, j'ai étudié un petit peu sa correspondance, mais beaucoup les pamphlets qui sont faits contre elle. Mmh. Mais les pamphlets qui sont faits contre elle, voilà, c'est la structure, c'est la propagande, c'est l'opinion. Alors, c'est nous. Ben non, justement. En tout cas, vous vous êtes présenté comme Durand et moi comme Duprat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait 20 millions de Français. Oui, mais c'est la cour de Versailles. C'est ces deux beaux-frères, Provence et Artois. C'est le duc d'Orléans. Mmh. C'est toutes les mauvaises langues de la cour. Et puis la ville reprend. Vous aviez des prédécesseurs. Oui, mais ce qui est frappant dans ce que dit madame, c'est le fait que les... on va dire l'élite, mais au sens hiérarchique de la nation, soit déconnectée. Et vous dites, Guillaume Durand, ils n'ont rien vu venir sur la Révolution, etc. Nous, avec le recul, on sait. Je veux dire, l'automne dernier, on n'a rien vu venir non plus sur ce qui s'est passé. Oui. Vous voyez, c'est un raccourci un peu. Mais il y a toujours, comme ça, un côté déconnecté. Oui. Et évidemment, les pamphlets ne viennent pas du peuple, parce qu'elle était complètement déconnectée. Elle vivait probablement, j'imagine, je n'ai pas lu votre livre. C'est d'ailleurs l'intérêt du film. Il est enfermé à Versailles. Voilà. À la rigueur, on va à l'opéra à Paris, mais très peu. Et c'est l'unité de lieu. Et dans le fond, la Révolution fait irruption dans Versailles et on voit bien que l'histoire là va exploser, va changer de nature. Mais en fait, elle va refonder le pays. C'est surtout ça, cette guillotine détestée et qui a été remise, enfin pas remise en cause, mais les historiens ont un peu changé entre les historiens marxistes comme Soboul et puis les Richet et Furet des années 70-80. On a changé l'image de cette révolution qui nous avait fondée et qui a été quand même assez critiquée. Non, moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est, dans tout le cinéma, on va voir, parce qu'on a des avis assez différents, il y a eu le Danton de Vajda qui poussait Robespierre un peu. Comment se fait-il que cette colère qui nous est, qui peut être le fondement de notre existence à tous aujourd'hui, finalement, elle n'intéresse pas tellement les cinéastes? C'est comme si on ne voulait pas la revoir. Il y a eu un très beau film là-dessus, c'était « Liberté, égalité, choucroute » de Jean-Yann. Oui, enfin qui n'est quand même pas... Je ne sais pas si qui est assez juste. Ouais, ce n'est pas naissance d'une nation de des fils. Voilà, mais je crois et que... pourquoi on ne veut pas voir ça en face? Ben, vous savez, on le voit tous les jours à la télévision. La colère. La colère. Est-ce que Guy Carlier parlait à l'instant du CPE ou des... Non, vous parliez de novembre, on ne sait plus, là, en France, il se passe toujours tellement de choses. Mais elle est là. La colère, elle est là. Ouais. Et on la voit tous jours aux actualités et on n'arrive pas à la comprendre, on ne la voit pas venir, on ne la décrypte pas. Bon, alors, pour l'histoire, on aime bien comprendre. Alors, l'histoire, là, c'est quand même plus de 2 siècles, elle est un peu refroidie, elle structure notre histoire nationale actuelle, puisque derrière la guillotine, il y a quand même la démocratie, mais... Il y a tout de même aussi à réfléchir. La guillotine, c'est la terreur. Est-ce que la démocratie pouvait être fondée sans terreur? Ça nous emmène vers des abîmes de discussion qui ne peuvent pas être l'objet d'un film. C'est pour ça qu'aucun film, que ce soit sur la Révolution ou sur n'importe quelle période historique, ne peut satisfaire pleinement les historiens. Ce n'est pas le même registre. Le registre du cinéma, c'est... Alors qu'il y a énormément de films sur le XVIIIe siècle. Oui, mais Ridicule, c'est toujours des transpositions. Mozart, enfin, on a l'impression que cette espèce de siècle qui va basculer vers la Révolution, c'est ça qui est au cœur d'une grande partie des films. Alix, Christine, ce film, vous en pensez quoi l'une et l'autre, avant qu'on parle du livre? Christine, parce qu'on en parle énormément. Oui, on en parle énormément, mais moi, je n'ai pas profité de ce film pour essayer de repenser à Marie-Antoinette. J'ai essayé d'écouter ce qu'essayait de me raconter, je crois, Sofia Coppola. Ouais. Et j'ai essayé de regarder le personnage qui était joué par cette actrice. Et j'ai eu l'impression que je revoyais un film français qui a été tourné aux États-Unis par Sophie Kahl et qui s'appelait No Sex Last Night. Sophie Kahl, artiste contemporaine, qui fait essentiellement des photos, qui travaille sur l'autobiographie, sur sa vie. Qui fait expérience de sa vie pour faire de l'art. Et là, moi, c'est ça qu'elle m'a raconté, Sofia Coppola, et j'ai trouvé ça quand même très intéressant. No Sex Last Night. Ben oui, c'est-à-dire que et quand même la moitié du film, une bonne moitié du film, et on voit la conséquence après, c'est-à-dire qu'elle se fait couper la tête, c'est
j'y arrive pas avec lui. Comment ça se fait que je fais pas en sorte qu'il puisse y arriver avec moi? Ça se termine, clingue. Et voilà, et ça c'est tous les matins. Et comment ça se fait que tous les autres autour y arrivent très bien? Pourquoi est-ce que la cour entière y arrive? Pourquoi la Dubarry y arrive? Pourquoi tout le monde peut le faire? Sauf et que moi qui suis la reine, qui suis belle, avec mon serrurier, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Et faire scène quand même. Il y en a un justement avec qui j'y arrive, mais bon, il s'en va, quoi, il ne reste pas. Et donc je suis comme ça dans cette espèce de truc où je suis celle dont la parole a une importance capitale, puisqu'il suffit qu'en traversant la galerie des glaces, je fasse un soupir, je dise un mot à la Dubarry qui n'attend que ça, parce qu'elle, elle n'a pas cette force de parole, pour que tout d'un coup, la face du monde en soit changée. Donc c'est quand même très important. Donc cette jeune femme a un destin, ce qui n'est pas si courant, et elle essaye à partir de ce destin de se faire un corps. Et elle essaye d'avoir du plaisir avec ce corps. Et ce n'est pas si simple. Et pour moi, l'aventure de ce film, c'est ça que ça raconte. Et je trouve ça quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire ce qu'elle a raconté dans les deux précédents films, dans Virgin Suicide, dans le film qui se passait au Japon. Ben oui. Et on retrouve ça même chez son père, dans un certain nombre de films comme Rusty James, qui sont des films sur l'adolescence, où il y a toute cette thématique, qui est quasiment une thématique familiale, d'Italiens émigrés aux États-Unis qui s'emparent de la Révolution française pour raconter la même histoire. L'adolescence est un enfermement. Disons que l'adolescence, c'est quand même le moment où le corps n'est pas défini. On ne sait pas encore ce que c'est, il n'est pas à l'abri. Donc, comment fait-il pour répondre aux critères? Or, elle, elle arrive, il y a plein de critères. Déjà, il faut qu'elle fasse une descendance à la France. Bon, sinon, elle va faire un trou dans notre lignée à nous. Évidemment, quand vous voulez que la presse française s'incline, alors que justement, c'est cette chose-là qui est mise en lumière. Mais il y a aussi quand même un intérêt, enfin, qu'on voyait dans Ridicule et dans d'autres films, c'est-à-dire ce mélange pour ce XVIIIe siècle, et ça nous ramène au livre d'Alix, où il y a à la fois les plus grands auteurs, les plus grands musiciens, Mozart, les plus grands hommes de théâtre, Beaumarchais, une extraordinaire futilité, et puis un avenir qu'on sent, qui n'est pas loin, qui est la tragédie absolue. Qui est dans l'air du temps, c'est ce qui plaît à Solaire, c'est avec Casanova. C'est-à-dire le raffinement et la tragédie, c'est vrai, c'est bah, dans l'air du temps... On le sait maintenant, oui, mais, bien sûr, mais est-ce qu'ils le sentaient, les Beaumarchais, les Voltaire, la tragédie était là? Peut-être pas la tragédie, mais en tout cas la dégénérescence du royaume, oui, parce que les craquements ont été très très sévères, dès la fin du règne de Louis XV, d'ailleurs. Pauline, l'héroïne... Il n'y a pas de grands artistes qui ne sentent pas la tragédie en même temps que la comédie, ce tiraillement-là. Toutes les pièces de Tchekhov, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que va devenir l'aristocratie russe? Boum. Moi, j'ai une lecture beaucoup plus futile, une vision plus futile du film, ce qui n'étonnera personne. J'ai été hypnotisée par la beauté des costumes, les robes, les chaussures. C'est extraordinaire. Costumière de Barry Lyndon, de Kubrick, qui est le chef-d'œuvre absolu. Marie-Antoinette, c'est la patronne de toutes les saintes futiles de la Terre. Parce que, waouh, puis c'était une fashion victime, la première de l'histoire. Alors, dans Saintes Futiles, justement, parce qu'on parle, c'est donc le roman qui est chez Anne Carrière. C'est l'histoire de Pauline, qui a un mari, qui travaille dans un journal de mode comme vous, très célèbre. Le vôtre, c'est le journal Elle, qui est célèbre mondialement. Et là, il lui arrive une sorte de coma bizarre. Elle va chez Colette, qui est le temple, qui est le Versailles d'aujourd'hui. Un verre de vin, ce qui ne se fait pas, parce qu'il n'y a qu'un bar à eau. Et là, tout bascule. Ben oui, châtiment céleste, elle se prend l'intégralité des bouteilles d'eau minérale sur la tête, la pauvre créature, elle tombe dans le coma, et quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve face au créateur. Simplement, quand on travaille dans un journal de mode... Le créateur, c'est Karl. C'est Karl Lagerfeld, du moins, il lui ressemble. Ça ne pouvait pas être Guy. Ça pouvait pas être... Oh, ça aurait pu être Guy dans la télé, je ne sais pas. Enfin, il fallait, vous savez, pour ce personnage, il fallait quelqu'un de très respecté et d'un peu flippant. Et j'imagine que pour une journaliste de mode, quand on est en face du vrai Karl Lagerfeld et qui commence à regarder comment vous êtes habillée, c'est le jugement dernier. Voilà. Et donc, ce dieu va lui dire, vous êtes une femme pas complètement sotte, mais vous avez toujours mis votre intelligence au service de la futilité. Je vous donne 40 jours pour changer tout ça. Et elle va donc devenir une immense casse-pieds comme tous ces gens qui sont persuadés de porter un message et d'être toujours dans le bien. Elle est avec sa famille qui est autour d'elle, avec ses amis, il y a Mathilde, il y a le fils qui va à l'école, le collège Luc Ferry, enfin, il y a plein de choses qui sont extrêmement drôles. Du plaisir, le collège Luc Ferry. J'ai fait appeler Marie-Caroline Ferry, puis je me suis dit... Et alors,
Donc, ces éléments de tout d'un coup de puritanisme, c'est par exemple, elle rentre chez elle, elle va éteindre les lumières, plus personne n'est allumé. Oui, écoutez, est-ce qu'on n'est pas toutes comme ça? On essaye, on se dit, on va être écolo. Alors, on garde les petits bouchons pour donner des fauteuils aux handicapés, puis après, on prend sa bagnole pour acheter le pain à 100 mètres. Mmh. On a toute cette espèce de paradoxe aujourd'hui, des espèces de religion laïque, d'essayer d'être. Ben, c'est-à-dire, plus elle avance, elle est nulle. Un jour, elle est pas deux bonne. Jours, trois jours, 40 jours. 40 jours. Hein? C'est un échec total. Bah, écoutez, moi, je trouve que la chute du livre, qu'il ne faut pas peut-être... Mais j'ai dit 40 jours. Hein. ...dévoiler, parce que je me suis donné beaucoup de mal pour faire un thriller, une intrigue et tout. J'ai beaucoup travaillé. Oui, il y a un inspecteur de police, il y a un directeur de collège. Oui, bah, que les gens s'amusent. J'ai essayé de faire une petite comédie. Il y a une portugaise. Oui, il y a aussi... Elle essaye de laisser pousser ses rides. Enfin, elle fait des actes très, très courageux pour une journaliste féminine. Je vous assure que ça les a fait trembler, mes vraies consoeurs, de lire ça en disant « Mon Dieu, pourvu que ça nous arrive jamais. Ouais. » Voilà. C'est pour rigoler, hein, c'est pas non plus du dur à ça. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette futilité, parce que justement, par exemple, si on prend thème qu'il aime beaucoup, les futurs candidats au présidentiel, enfin les deux qui dominent, ils incarnent d'une certaine manière une certaine forme de morale. Est-ce que vous avez le sentiment que si c'est l'un ou l'autre qui l'emporte, justement, il va y avoir assaut de futilité? Mais c'est une chose indispensable, la futilité. Ça me semble être un ingrédient pour équilibrer la balance de tous les emmerdements qu'on voit. Il n'y a rien de, plus sain. C'est mieux d'acheter des chaussures que d'avaler du Prozac, je pense, non? Mais parce que... Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Je ne suis pas sûre qu'elle soit un journal si futile que ça. Ouais. Qui a joué un rôle historique et important. Non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est que, justement, et je veux relier à Marie-Antoinette, c'est quand même un journal où on est assailli, encore il y a 15 jours, par justement... Cette espèce de... Enfin, c'est quand même le journal, enfin, tous les journaux de presse féminine particulièrement, mais enfin, c'est vraiment quelle est la sexualité des Françaises, comment ça se passe, comment mais il faut faire... C'est vous qui avez parlé avec Marie-Antoinette. Hein. Mais justement, je vous dis, c'est la même chose. Elle résout les problèmes de Marie-Antoinette. Une Française normale, comment elle fait, quelles sont les pratiques de la Française normale, combien de fois, etc. Donc, je ne pense on pas dit que ce soit... Française normale, c'est pas dit dans ce terme. Non, c'est moi qui le dis. Ouais. La mais raison, elle n'est pas un journal. D'abord, si vous voulez... preuve, c'est qu'il y a les fiches cuisine aussi. Moi, j'ai beaucoup lu elle. Dans le Nouvel Obs, il y a les piscines à la fin aussi. Il y a les piscines, les résidences. Il n'y a pas que ça. Il y a de l'Afghan, on est très bon sur l'Afghan, tout ça. Il y a beaucoup de, les de sujets sérieux. Oui, et normatif. Enfin, non, mais, c'est-à-dire c'est... Mais ça dépend comment non, mais on je vais revenir à ma question. Là. Vous êtes très bien dit. Mais je me souviens, dans un des romans de Lambron, il disait finalement, bon, il parlait de l'ambiance, pas le dernier sur la musique, mais celui d'avant. Il parlait à propos de la futilité. Il disait, au fond, les boîtes de partout, ça s'est multiplié quand Jospin était au pouvoir. Mais est-ce que ça veut dire que justement, si le pouvoir devient moraliste, on va tous devenir des aristocrates pervers, déglingués? Mais ne regardez pas quand même. Mais c'est à vous de poser la question. Écoutez, est-ce qu'il y a cette tentation? Mais alors, qui souhaitait pour les prochaines présidentielles, à l'aune de ce que vous dites, avec qui on va rigoler le plus? C'est révolutionnaire, ce que vous venez de décrire là. C'est-à-dire que la dégénérescence de la monarchie et les mœurs dépravées des aristocrates, qu'ils faisaient délibérément pour lutter contre l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes, qu'on leur renvoyait d'eux-mêmes d'être trop gourmés, eh bien, cette dégénérescence de la monarchie a conduit les révolutionnaires à prôner la vertu et la régénération. Et voilà, Robespierre. Mais beaucoup d'autres, il n'y a que Danton qui transgresse. Et d'ailleurs, Anton Wajda a consacré à Danton, le grand cinéaste polonais, un film qui mettait de côté un peu la personnalité de Robespierre sur la Révolution. L'excellent roman donc d'Alix, vous ne saurez pas la fin. Il y a une kyrielle de personnages, il y a même des gens de la télévision qui sont donc dans ce roman. Puis, tous les gens qui sont autour du monde de la mode qu'on voit passer, c'est tout à fait normal. Le livre de Marie-Antoinette, Une reine brisée, donc je le dis, ce n'est pas une biographie classique, puisque c'est un livre qui raconte la vision que Marie-Antoinette, finalement, ou la vision à laquelle elle se confrontait, c'est-à-dire son époque, ce qu'on disait d'elle. Et souvent, on est défini plus par ce que les gens disent de vous que par ce que vous faites. Donc c'est un essai très intéressant. Et puis je ne peux pas résister, si on l'a en régie, avant d'enchaîner sur le journal, ou plutôt pour commencer le journal, puisqu'on a vu Gérard tout à l'heure, de repasser ce petit moment où Christine Angot a rencontré sur le plateau de Campus Gérard Depardieu il y a quelques mois. C'était assez, comment peut-on dire? C'était assez. Regardez. Vous, quand vous faites un film, on vous dit le type, il fait tel métier. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais j'ai fait plein de merde, bon. C'est ce qui m'a obligé. Eh ben moi, non. Plein. Moi, non. Si, un peu. Non. Si, un peu. Excusez-moi, non. Je pense que vous avez fait pas mal de merde aussi, c'est pas eh mal. Eh bien non, justement. Excusez-moi, mais j'ai le regret de vous dire que non. Et c'est dommage, bien pour... parce que j'en ai fait plein, moi.
Très bien, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Moi j'ai vu de vous, ce que j'ai vu de vous, c'était pas de la merde. C'était des choses formidables. Mais bon, mais c'est pas parce que vous avez fait de la merde que tout le monde en a fait, excusez-moi. Et voilà. Quelle ambiance. Et c'est vrai qu'il a ce talent inouï de dire, on parlait de ça, hein, de dire, d'y aller, une générosité incroyable, pas d'attaché de presse, pas de... Enfin, vraiment, il est formidable, ce garçon. C'est pas de la flagornerie, parce qu'on le pense vraiment. Merci à toutes les trois d'être venues nous voir. On va donc enchaîner sur le journal. Philippe, merci, si on peut avoir le petit jingle du journal de la culture. Le voilà.